sont plus qu'impatients. Coco Argenté est là. On vous attend nombreux ce soir. Ça va déménager. On peut pas sortir. Toulouse, toujours là, je suis ravie de vous retrouver. Oh, mais vous n'avez pas l'air ravie de me voir, hein? Je n'entends rien. Une petite ovation juste comme ça. Ah, merci. Vous me faites chaud au cœur, vraiment. Merci d'avoir éclairé la salle. Ça fait plaisir de voir que vous avez vraiment pris votre rendez-vous de ce soir. Ici au Rex. Vous avez vraiment fait le bon choix. Alors, on va dire qu'on prend, après cette mise en bouche de Bikim, hein, on va entrer dans le plat, un des plats de résistance, parce que, bien entendu, avec ce Unity Tour, nous avons deux plats de résistance. Hein. Nous commençons par le Cameroun, avec sa sanaga, ses crevettes et tout ça. Non, c'est pas vrai. Mais tout simplement, pendant que l'orchestre s'installe, j'ai envie de vous raconter deux, trois petites anecdotes sur cet artiste que vous allez découvrir. Il y en a qui la connaissent, je pense, dans la salle. Il y en a qui vont la découvrir. Il y a beaucoup qui connaissent ses chansons parce qu'elle nous a fait beaucoup de tubes ces dernières années. On n'aurait pas cru, hein, parce que partant d'une école de gospel, avec des kiffs dans la rumba, et ben, elle s'est lâchée en 2011-12, avec un album Bikutsi. Amazon des temps modernes, les amis, vous allez découvrir tout à l'heure son talent. Elle n'a fait que gravir les échelons du succès, parce qu'il faut reconnaître ce qui est. Elle a surpris beaucoup, mais elle a surtout de très très belles mélodies, des très bons textes aussi, et un bon déhanché, bien entendu. Ah, attendez, je suis de l'Afrique centrale, n'est-ce pas? J'espère que vous allez être très chaleureux ce soir, que vous allez vous amuser avec elle, et que vous allez... Je ne sais pas si le band est au complet. Voilà, c'est un band qui nous vient de Paris, nous pouvons les applaudir. Hein? Un peu de band, j'ai envie de dire. Alors, si vous êtes prêts, je ne vais pas prendre mon cheval hein, pour aller la chercher parce que je vous ai dit c'est une Amazon, c'est une vraie Amazon. J'espère qu'elle va dompter Toulouse. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans la Ville Rose. Hein? C'est une artiste qui est toujours, toujours attendue ici. Je compte sur vous pour réserver le meilleur accueil sous vos ovations. Coco Argenté, la bonne télé, la bonne galaxie, la bonne. Oui. Thank you.
voir encore à moi. Il est où, mon amour? Je voudrais déclarer ma flamme. Je voudrais vous déclarer ma flamme. Il est où, mon bébé? Il est où? Tu peux venir, bébé? On a un petit peu. Ah.
Je fais ma prière.
Maintenant, nous allons rendre hommage à l'Afrique, à une très grande artiste africaine. On va aller à la rumba, vous avez le droit de vous amuser, de danser. Il n'y a pas de protocole ce soir. Je suis à vous, vous êtes à moi, vous faites ma joie, les gens. C'est good.
les hommes. Où sont les hommes? Hollande, c'est la madame quand ça s'élève. Et les bâtards qu'on y a comme si libéré.
je l'ai écrit pour donner l'espoir. L'espoir. Dans ma vie, je crois en trois choses. Je crois en Dieu. J'ai en moi l'espoir et je crois en moi. Bon, ça veut dire que c'est trois trucs. Et je voudrais profiter pour dire merci. Parce que vous avez accepté de faire le déplacement ce soir pour nous soutenir, pour soutenir ce concept. Vous pouviez faire autre chose, mais vous avez décidé d'être avec nous ce soir. Je vous dis merci. Je te sens mari, on m'a nommé Paulette. La coupe pour ma style, rien à vous de nos yeux.
quand les pilotes passent, quand c'est eux qui sont les chefs d'orchestre. Ils m'ont dit quand ils ne chantent pas ça. Je voudrais profiter pour vous faire un petit a cappella de mon troisième album qui sort officiellement le 25 juin. Vous êtes chaud, hein? Il y a des gens qui m'ont dit que je coche trop les gars. Alors que l'homme, c'est ton père, c'est ton frère, c'est ton gars, c'est ton mari. C'est son alliance qui annule notre célibat. C'est son homme qu'on porte après le mariage. Ou bien, et c'est sa graine qui nous permet de faire nos bébés. Est-ce que je mens? Alors, je voudrais dire à toutes les femmes fortes ici que laissons les hommes porter le pantalon. Les femmes sont chaudes ou pas? Est-ce que les femmes sont chaudes? Vous ne voulez pas qu'on laisse les hommes porter le pantalon? Parce que moi, j'ai fait un choix. J'ai dit cette fois-ci que je veux un homme qui craint Dieu. Je ne veux plus les chrétiens du dimanche. Je ne veux plus les Casanova. Je ne veux plus les Mbotman. Je ne veux plus les Tortues Ninja. Je refuse les Ndos Papandos. Où sont les Ndos Papandos ici? Ils sont où? Je ne veux pas les frères de Kalankongo dans ma vie. Vous connaissez Kalankongo? Alors je m'adresse aux femmes. Je dis tout simplement, femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quel que... Vous savez, chez nous, hein, je profite pour dire à nos beaux qui sont là. Vous savez, la femme africaine, c'est une femme hein, qui a du caractère. Pas facile. Les gens qu'on a bâché à Pierre Yaoudé là. Ou bien, ici, à tous les bras, donc on arrive ici, on s'intègre. Intégration, c'est à tous les niveaux. Mais je voudrais quand même dire aux femmes de laisser les hommes porter le pantalon. Quel que soit leur compte en banque, quel que soit leur titre foncé, que tu sois la fille du président, laisse ton mari porter le pantalon. Est-ce que les femmes sont d'accord? D'accord. Est-ce que les hommes sont d'accord? Voilà. Je dis donc. Les femmes sont d'accord. Comment ça? Femme, quel que soit ton rang social, quel que soit tes comptes en banque, quel que soit tes titres fonciers, laisse. Le son les emporte le pantalon. L'homme est ton père, ton frère, ton gars, il est ton mari. On continue, on arrête. Laissez les hommes porter le pantalon. Et je vais dire à ma copine qui est là que. Ouais, mes copines. J'appelle Nathalie, toutes les filles c'est de Nathalie. Nathalie, oh, écoute ce que maman dit. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu l'appelles même président ou l'homme, il est chef d'état dans son foyer. Est-ce que je mens? L'homme est président dans son foyer. Ou bien, je continue ou j'arrête? Et Nathalie veut l'écouter. Nathalie. C'est de sa côte que tu es née. C'est avec sa graine qu'on fait nos bébés. C'est son alliance qui annule ton célibat. C'est son nom que tu portes après ton mariage. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Même si les panthères passent, il va te regarder et il sera fidèle. Est-ce que j'ai mal raison? L'amour, ce n'est pas la magie. Et quand il regardera gauche à gauche chez les panthères, et quand il regardera droite à droite chez les vipères, et quand il regardera gauche à droite, oui, aucune autre femme n'atteindra ta cheville. Oh yes. Si tu lui donnes de l'amour, si tu lui donnes du respect, si tu lui donnes une place de choix, il va faire comment? Il va rester statique ou il sera fidèle. Il va se tabler. Est-ce que je mens les hommes? Oh. Applaudissez pour vous. Non. Alors les femmes, laissons les hommes porter le pantalon.
Il y a mon corps.